Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une petite vidéo encore sur The Hunter Call of the Wild, car je suis tombé en jouant pendant un stream sur un loup ibérique diamant légendaire. Donc du coup, je voulais vous faire absolument vous mettre la vidéo parce qu'il est accompagné d'un mythique et du coup c'était quand même vachement vachement sympa. Je m'attendais pas du tout à en faire, surtout que pendant ce live j'étais sur la traque du Serelaf pour essayer de faire un légendaire depuis le temps. J'en ai déjà repéré un et vu deux trois mythiques, mais malheureusement je les ai perdus de vue à ce moment-là et je les ai plus retrouvés. Donc du coup en les traquant, je suis tombé sur ce petit groupe de loups sympathiques. Et donc voilà, je voulais vous mettre la vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout si vous avez des idées sur quelles espèces je pourrais me concentrer pour les prochains diamants. Voire vous mettre des conseils ou les armes que j'utilise et autres, n'hésitez surtout pas en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous retrouve à la fin de la vidéo. À toutes! J'espère que je l'ai pas raté. Hein. Je pense avoir tiré un peu trop bas quand même. J'espère vraiment être un tir mortel. Yes, diamant! Ah oui, foie, putain, c'est le foie qui m'a sauvé. Oh. Génial. Eh ben, GG les amis, un de plus. Je l'avais pas celui-là. Trop cool. Et re les amis, on se retrouve voilà à la loge Saseka en Afrique pour vous montrer du coup le magnifique loup ibérique que je viens de faire en diamant. Voilà, je l'ai installé ici, le petit pépère, il a une magnifique fourrure, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, on pourrait peut-être changer un peu sa posture, mettre quelque chose de plus sympa. Ouais, coucher, c'est pas mal. Ah oui, voilà, ça c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était... Non, c'est pas celui-là, le hivernal, il est ici. Ça, c'est le hivernal que j'ai fait là dans une vidéo il y a quelques jours. Ça, c'était un pur, je crois. C'est ça, pur. Et ensuite, vous avez ma petite collection de loups gris. Magnifique. Avec les différentes couleurs. Passer en revue la modification. Comment on peut faire ça? Passer en mode enquête. Je ne sais pas si on peut vous les montrer. C'est l'albinos. Ah, ils nous disent pas les autres. Bon, il y a un albinos, un blanc d'œuf et un gold, je crois. En tout cas, voilà quoi, vous avez trois magnifiques loups gris et ici, du coup, les loups ibériques. Et je vais essayer de voir pour faire un montage avec les loups ibériques également en faisant
les assemblages multi-trophées. Donc là, le but, hein, c'est de faire réussir à faire ces montages avec les animaux les plus prestigieux qu'on possède. Mais bon, là, j'ai par exemple, j'aurais voulu faire, j'ai obtenu un renard mélanique. Malheureusement, c'est une femelle, et du coup, si je veux pouvoir faire ce montage, ben, c'est raté. Voilà, ici, on a les loups gris avec un bison des plaines. Donc si je retrouve encore des belles couleurs ou d'autres légendaires, je ferai peut-être ça comme ça. Et ensuite, où est-ce que je l'ai vu? Les loups ibériques, voilà, avec un mouflon ibérique. Donc si je chope un beau mouflon, et ben on mettra les trois loups ici, avec le mouflon. Si possible un mouflon légendaire. Je vais attendre d'avoir le mouflon légendaire et j'ai déjà mes trois beaux bébés, quoi, le loup ibérique diamant, l'hivernal et le pur. Ça fera un beau montage avec les trois. À moins que je réussisse à avoir un mélanique ou une couleur encore plus belle parce que ça fait un peu trop clair peut-être. Je verrais bien un blanc, un mélanique, un hivernal avec le diamant. Enfin bref, on verra bien. À ce moment-là, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me suggérer peut-être des choses. Si vous avez des astuces ou autres, on verra à ce moment-là. Je vais peut-être. Voilà. C'est un petit renard classique, mais que je trouvais bien joli avec une couleur très 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 forte. Donc je l'ai gardé, juste pour la collection. Voilà, avec mes deux petits oursons à l'entrée qui montent la garde. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a une espèce en particulier que vous voudriez me voir chasser du coup. Pour essayer d'obtenir le légendaire. Je préfère moi me concentrer sur une espèce à chaque fois et la traquer jusqu'à l'obtenir. Je pense que c'est plus rentable que de partir à droite à gauche et de voir un peu tout ce qui passe. Des fois on réserve des belles surprises. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, hein, ce loup légendaire, je l'ai obtenu en traquant le cerf-élaphe à la base. Donc en ce moment, je suis sur la traque du cerf-élaphe. Il y a des beaux spécimens là de cerf-élaphe. Je sais plus où c'était un or ici. J'en ai un autre ici en haut. Voilà quoi, c'est vraiment des beaux spécimens, mais j'ai hâte de trouver la perle rare. Voilà encore un ici de cerf-élaphe. C'est juste beau. Généralement, c'est des mythiques, mais j'aimerais bien trouver le légendaire, la perle rare. J'en ai aperçu qu'un seul. Enfin bref, voilà, ça on verra ça dans une autre vidéo. Donc en ce moment je stream pas mal. Je laisse pas les rediffusions de stream. Le petit lapin blanc. Je laisse pas les rediffusions de stream pour l'instant. Je préfère vraiment essayer de faire des petites vidéos pas trop longues. Voilà. Si jamais vous voulez venir chasser en multijoueur, ben, vous savez où me trouver. Voilà, je vous fais des bisous, merci pour votre soutien, n'hésitez pas à mettre des commentaires, pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre le Discord hein, pour pouvoir avoir le lien de mes vidéos quand elles sortent ou pour pouvoir rejoindre le stream lorsque je suis en live. Et puis pourquoi pas peut-être faire des battues ensemble les amis. Voilà, je vous fais des bisous, à très bientôt.